Ah là, 20. Reprends une bataille en plein milieu, c'est pas le truc le plus facile à faire de la vie. Ah, elle fait quand même du 9 de dégâts quand même, la princesse. Du moins la reine. Votre majesté, Ludwig et ma collègue. Fait chier. Au passage. Ah non, on commence pas à laguer la co, pitié. Je m'attendais pas à vous voir. Je m'attendais à vous voir vous enfuir ou me supplier de vous laisser la vie sauve. Je suis forcé de reconnaître que vous avez un courage étonnant. Si la reine de Créa, je servais mon pays jusqu'à la mort. Oh, bien sûr, le sens du sacrifice, c'est ça? C'est tout à fait louable. En fait, votre majesté, vous êtes très attaché à Lucia, n'est-ce pas? Auriez-vous une idée de l'endroit où elle se trouve? Où était-elle? J'espère que vous n'avez que rien lui est arrivé. Répondez-moi sur le champ. Pauvre petite, vous êtes si pâle, vous allez grandir ensemble comme deux sœurs. Vous devez être très inquiète, non? Ah, vous avez beaucoup trop de faiblesses pour une reine. Et en plus, j'ai paralysé le mec. Ouh, je viens de violer le boss. Arrêtez, je m'en rends pitié. J'étais moi en prison, si le cœur vous en dit. Votre majesté, pitié par Yenovi, nous rendons nous les armes. J'ai pas gagné la victoire avec ça. Pitié, non, parce que j'avais plein de trucs à récupérer encore sur d'autres gens. Ah si, ça fait gagner la... Oh non, j'ai loupé des items. Merde, j'ai loupé des items. Ah merde, je pensais pas violer le boss comme ça, merde. Votre majesté, je suis content de vous trouver saine et sauve. Pardonnez-moi d'avoir été si long, je vous ai abandonné, pardon. Merde. Et je fais que de laguer. Exagère rien, Geoffrey. Merci d'être ici. Moi, qu'en est-il de l'armée rebelle? Dans le village d'Alerta, ils sont perdus. Ils ont tous pris la fuite. Nous respectons les ordres et ne poursuivons pas les fuyards. Quant à lui, il est enfermé dans le cachot du fort. Votre majesté? Lucie est retenue prisonnière. Si nous voulons la sauver, nous devons parler à Ludwig. Merde! Majesté, mon général. Un essai rebelle vient d'arriver. Il apporte un message concernant Dame Lucia. Les malédicts de Fédéré, si vous recevez Dame Lucia Moura. Non. Oh, Lucia. Le temps presse, si vous n'aimerez pas le duc immédiatement, la fille Moura. Non, Lucia, ne fais pas ça, ne t'en fais surtout pas pour moi. Ah. Silence, à moins que tu ne sois pressé de mourir. Votre majesté, il faut absolument bon faire quelque chose. Lucia est prête à mourir pour son pays, mais nous devons l'aider. Si vous êtes à sa place, elle fera impossible pour vous sauver. S'il vous plaît, son sort dépend de vous. Bonjour, votre majesté. Votre regard attristé montre que mon plan a eu lieu escompté. Que voulez-vous, juste que notre pays sombre dans le chaos? Au contraire, votre majesté, je veux le protéger. Comment? Vous êtes tellement naïf. Qu'on dirige pays, il faut savoir se montrer intransigeant. Nous voulons vous mettre à l'épreuve. Nous voulons savoir si vous étiez capable d'arrêter une guerre civile. Hélas, vous hésitez. Trop soucieuse du bien-être de votre peuple. Regardez le résultat. Vous ne pouvez pas diriger Crimea. Vous manquez d'expérience et de fermeté. Regardez vérité en face et cédez-moi votre couronne. Et puisque la vie de Lucien en dépend, vous n'avez pas vraiment le choix.
Allez, sortez-moi de cette prison pour que nous puissions discuter des détails. Désolé, mais je dois refuser. Quoi? Vous êtes prêt à sacrifier le... Lucia? Salut Zeldius. J'ai déjà joué. J'ai déjà joué. Je me suis rempli de tout, mais j'ai déjà joué. Ludwig, je comprends votre mécontentement et vos craintes. Mais avez-vous conscience du nombre de vies que vous avez volées? Il faut certes une certaine force de caractère pour diriger un pays, mais il faut aussi de la compassion. Vous n'avez que faire du peuple. Vous tenez votre soif de pouvoir derrière de beaux discours. En réalité, c'est la cupidité qui vous guide. Quelle est donc votre position? Très bien, n'oubliez pas que je suis le seul pour épargner Lucia. Je ne peux pas vous laisser semer les graines de la discorde et menacer les vies de mon peuple sans réagir. Créa se remettra de cette épreuve. J'offrirai à mon peuple le destin qu'il mérite, peu importe le prix à payer. Bravo, votre majesté. Vous avez raison, j'ai échoué. Je me demande si vous allez être assez forte pour regarder Lucia mourir. Oh, si vous voulez me supplier à genoux, l'oreille remplie de larmes, comme j'ai hâte de vous voir ramper. Soldat rebelle, écoutez-moi, le duc Ludwig sera jugé pour avoir conspiré contre la nation. En tant que règne et dirigeant de Créa, je refuse de négocier avec ceux qui cherchent à nous nuire. Et donc laisser cette pauvre fille mourir? Oui. Je serai forte, Lucia. Allez, débat-toi, Créa plein poumon, donne-nous du spectacle, ma belle. Votre majesté, votre chère amie n'en a plus pour très longtemps. Cet instant restera jamais gravé dans votre mémoire. Cher peuple de Créa, admirez le courage de votre reine, notre reine, longue vie à la reine. Allez, tire. Ce n'est pourtant pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai peur de rater mon tir et de la blesser. Ce n'est pas le moment d'être nerveux, Rolf. Puisque tu n'es pas à la hauteur, laisse faire le maître. Alors regarde bien et prends-en de la graine. Le geste doit être précis et assuré. Comme ça. Encore plongé dans tes livres? Je t'ai pourtant déjà dit de protéger tes arrières. En position, tout le monde! Encerclez-les! Ils ne doivent pas nous échapper! Tu m'entends? Tiens bon! La voix de Beast en VF est horrible. En tout cas, la vache! Votre Majesté, Ike, les mercenaires de Rex sont ici. Ils viennent au secours de Lucia. Ensemble, nous allons le faire, Lucia. Profitons de l'effet de surprise. J'envoie les chevaliers immédiatement. Ah, et sans ton aide, j'aurais perdu l'une de mes plus chères amies. Merci, merci infiniment. Je suis heureux d'avoir pu t'aider. J'aurais jamais pu refuser, et puis... Bastien nous paie bien. Bastien?
Puis le comte de Fey a entendu parler des combines de Ludwig juste avant son départ pour Dain. Il se doutait qu'en son absence, les rebelles se sentiraient plus en confiance pour agir. Bastien a bien calculé son coup. On ne pouvait pas en attendre moins du meilleur stratège de Crimea. Puis il rusait comme un renard. Pardon d'être resté caché jusqu'au tout dernier moment, il fallait à la fois tromper nos ennemis et nos alliés. Je sais que tu agis dans l'intérêt de Crimea, mais je regrette que Lucia ait dû endurer tout ça. Ne vous en faites pas, je vais bien. Ne vous tracassez pas pour moi. Lucia, Geoffrey, vos vies à mes yeux sont plus précieuses que la mienne. Mais mon devoir est de protéger mon pays, même si ça implique le sacrifice de mes amis. Cette révolte m'a permis de comprendre que je dois être plus ferme pour garantir la paix et ne plus répéter les mêmes erreurs. Content d'entendre. Que comptes-tu faire de tous ces soldats rebelles en cavale? L'armée rebelle sera traquée et sévèrement jugée. Nous ne pouvons pas laisser ces agitateurs semer le trouble dans notre royaume. La meilleure solution, aurais-tu besoin des mercenaires pour ce travail? Non, aïe, je vais confier cette tâche à la chevalerie royale. Ma décision risque de provoquer la colère du peuple. La chevalerie royale pourra en subir les conséquences. Mais mon devoir de reine ne me laisse pas d'autre choix. Le peuple devra l'accepter. Je respecte ton sens du devoir. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi? Oui, j'en suis sûr. Je vais œuvrer pour l'avenir de Crimea avec l'aide de mes sujets et de mon peuple. Avant que tu ne pars, je voudrais te parler en tête à tête. Je t'écoute. Est-ce que Bastien t'a dit quelque chose à propos de Dain? Non, il n'a pas abordé ce sujet. Il m'a informé que certaines choses, apparemment, Dain est en passe de vivre le même destin que Crimea. Il a évoqué un nouveau roi qui n'a visiblement pas peur d'envoyer son armée à la guerre. Je me suis parlé d'une figure charismatique présente sur le champ de bataille. Il l'a comparé au roi Pélas. Il m'a comparé au roi Pélas et toi à la chevelure d'argent. C'est quelque peu insolite. Je suspectais un complot destiné à manipuler Dain. Bastien semblait très préoccupé par tout ça. Bastien est donc allé à Dain pour voir si ses doutes étaient justifiés. Exactement, il souhaite également enquêter sur le retour d'un guerrier qu'on aura perçu à Dain. Le chevalier noir. Pardon? Mais je l'ai tué dans l'opus précédent. Je ne l'oublierai jamais, c'était un guerrier hein, en qui le roi Ashnar avait une confiance aveugle. Il portait toujours une armure noire et une cape propre. On l'avait aperçu au moment de l'armée de libération combattue dans la capitale. Il était aux côtés de la chevelure d'argent. Le chevalier noir a assassiné mon père, il est mort depuis 3 ans. Certain qu'il n'a pas pu s'échapper, le château Nado s'est littéralement écroulé sur lui. Le jour qui a suivi votre combat, Bastien a ordonné ses hommes de fouiller les ruines du château Nados. Il n'y avait aucune trace du chevalier noir, pas d'armure, pas d'épée, pas de corps. Si le chevalier noir est toujours vivant et qu'il est avec Dain, il pourrait représenter une sérieuse menace pour la sécurité de Crimea. Il est vivant, je suis certain de le revoir. Initia, c'est une information d'une importance capitale pour moi, merci. Je t'en prie. Bon, ce qui me fait chier, c'est que j'avais plein d'items à récupérer encore. J'ai un peu fini. Une terrible guerre commence. Elle menace de diviser le continent. Un héros se bat pour la justice aux côtés des Laguses. La fille de l'aube se bat pour Dain aux côtés des Béorques. Leurs armées s'affronteront quand le médaillon brûlera de tous ses feux. Partie 3, Alliance croisée. Salut Steven. Fais juste un truc. Parce que j'ai fait un truc et j'avais encore plein d'items à récupérer sur des PNJ. Je m'attendais pas à violer le boss en fait avec Inicia. Ce qui est bien, c'est que la sauvegarde bataille n'a pas été effacée. Parce que en fait, je l'ai direct violé. Et en fait, lui, il a un truc intéressant à piquer. Lui, il a un IQ dragon à piquer. Ce qui est très intéressant. L'écu dragon, je le veux. Là, je peux avoir un épieu d'argent. J'ai l'annulation que je compte récupérer dans pas longtemps. Ouais. J'ai l'écu dragon à récupérer. J'ai ça à récupérer et ça. Donc je recommence vite fait la map, après je couperai tous les dialogues rapidement, mais je veux des culs dragons. Ah, y a pas photo. Je veux des culs dragons, je vais pas
Je vais pas jeter en l'air un écu dragon. Mais non, je peux passer les dialogues. Je peux passer les dialogues, t'inquiète. Il fait quand même des dégâts. Il y a 14, 28, ça ne fait pas. Pas qu'elle fait assez de dégâts. Ouais, elle peut faire assez de dégâts. Aïe, j'ai mal. Voilà, les puits argent. C'est ce que je voulais. Allez, un point de force, yes. Bon, la magie, j'en ai rien à foutre pour toi, mais c'est pas grave.
Dans tous les deux cas, je pourrais pas faire du double frappe, hein. Ah, c'est bien. Merci mec, comme ça tu me fais voler le truc que je voulais voler. Voilà, j'ai annulation. Faudra que je vois ce qu'elle fait la compétence. En même temps, t'allais viser à la seule personne qui peut pas contre-attaquer en même temps, ça c'est pas étonnant. Il touche avec 40? Ah oui, il a touché. L'avantage de la hauteur, mec. Le point de défense. Bon, ça aurait pu être pire niveau. Ils ont rien à appliquer. Chance, il lui piquait son IQ à lui. Du coup, il a une putain de portée. Oh, le critique. J'aurais pas aimé à ta place. Ok, un martialiste trouvé comme ça au pif. Pourquoi pas. Thank you.
Allez, un petit point de vitesse. Et merde! Pas assez de dégâts. Bon, bon, bon. Non, il y a trop de chances de critique là. Jamais je fais ça. Le problème, c'est que lui, pour lui voler son IQ, faut que j'aille avec mon voleur. C'est tout là le problème de l'équation. J'aille avec mon voleur. T4, ça fait 8. Ah bah c'est parfait. Allez, renfort, allez vous suicider. C'est pas elle que je voulais que tu sois, mais c'est pas grave. Alors ça me l'air de la place au niveau de Néphénie. Ça, c'est bien. Elle préfère attaquer Geoffrey. Sérieux, je suis manqué à 88 de précision. LOL. Oui, je me le prends encore à 88 de précision. Oui, deux fois de suite, oui. Oh merde le jeu, au passage. Ah, RNG du troll, oui, c'est tellement ça.
69 de précision. Bah je touche pas avec ça. Ah ouais d'accord, je touche avec 69. Alors je me loue qu'à 88. Ah ok. Bon. On va pas se plaindre. Ah merde, il l'a touché. Mon XP! Ah bah. Au revoir, renfort, heureux de t'avoir connu. Heureux d'avoir connu une unité de Créméa inconnue. Ah, j'ai oublié de faire attaquer Art de l'autre côté. Oh, pas grave. Il risque rien, Art. Ouais, j'ai déjà lu ton dialogue tout à l'heure, merci ta gueule. Pas bon pour vous ça. Avoir fait passer Nifili à un tel stade de HP, c'est pas bon. Esquive. À 38 tu esquives. Merci. Et Kourou, ça s'active pas. Normalement ça doit s'activer. Ah c'est peut-être plus à 50% de PV. Dans celui-là. Vraiment qu'à esquiver l'autre, bon celui-là tu l'esquives aussi. Tu te touches à 30%, tu te fous de ma gueule le jeu. Level up de merde! Même pas en point de force ou de vitesse. J'ai remis sur lui voler son putain d'écu dragon à l'autre. Thank you.
Un petit coup critique, non? Non. Pourquoi l'ennemi a autant l'avantage sur Astrid? On va faire ça, c'est trop dangereux. Oh, fait chier, s'il vous plaît. Oh merde, j'ai oublié lui là. Faut que je le bute. Bon, c'est peut-être être de mauvaise posture là. Elle ferait combien de dégâts elle, cette archer elle? Des dégâts avec très peu de précision, putain. C'est quoi cette archer qui fait pas de dégâts? Allez, touche, pitié, touche, Astrid. Merci. C'était meilleur dans Passant Radiance, parce que là... Bon, espérons qu'il n'y ait pas de mort. Oh, le point d'XP qui manquait pour level up. Oui, level up de merde, c'est bien, je ferai continuer à level up comme ça. Bon, Geoffrey va crever apparemment.
pourrait pas être attaqué Marcia ou... Non, c'est Geoffrey obligatoirement. Bon bah au revoir Geoffrey hein. Je pensais un peu plus résistant. Excuse-moi de t'avoir surestimé. Ah non, ils ont préféré visuel, ça m'arrange bien. C'est bon, Geoffrey survit. Alléluia. Rien d'intéressant. Pff, un dégât lol. Ouais, ça pue le coup critique, moi je dis. Ça pue clairement le coup critique là-bas. Donc on va soigner Marcia parce que ça pue le coup critique. Il y a 6 de critique, je suis sûr qu'elle va se taper un coup critique si je la soigne pas. Oh, quasiment level parfait. Dommage qu'elle ait pas gagné dans les dans la défense et la résistance. Moi, je vois un truc vert là. La case était verte ici. Quoi. Elle va plutôt se barrer, je pense. Moi, non, jamais. Mais arrête de gagner de la magie, gagne de la force, ça te sert à rien la magie, putain. RNG de merde. Faut que je regarde un truc. Non, elle les viole pas. Ouais, mais eux ils font mal. Eux ils risquent de violer ma Anifini, eux.
Mais par contre, Néphini risque de la violer. La pauvre. Bon, normalement, c'est au renfort de jouer, donc logiquement, si le jeu est pas con, il me soigne Néphini. Ah, j'ai oublié. Le jeu est con. Eh ouais. Il m'a pas soigné Néphini. Non, mais les gars en armure, ils bougent pas. Le corbeau il sert juste d'appât pour que le boss vienne pas me faire chier en bas. Oh. Merci de pas l'avoir tué pour que je puisse voler l'écu. Ah bah non, mais non, mais non. Non, non, non. Putain, vous mettez au pire endroit possible, bande d'enfoirés. Ah. Bon, ces mecs. Voilà, j'ai mon IQ dragon. Salut, Chichi. Gâcher une calabucide là-dessus, quoi. Ça va, ça va, ça va. Oui, il est dans celui-là. Oui, oui, il y est. Ah, seulement 5 et 5. Oh, dommage. Non, sérieux, t'as touché? Avec aussi peu de précision? T'es infâme. Bon, moi j'ai mon IQ dragon, je suis content. C'est tout ce que je voulais. Mon IQ dragon. Y'a rien à perdre, perso, hein.
T'as le tutormus, ça le tue pas, je le tuerai avec un autre. C'est pas elle que j'aurais choisi de soigner, mais bon. Ah, j'ai oublié de faire jouer lui. Bon, pas grave. Ça joue tout seul là-bas. Tellement pas m'occuper du côté gauche, t'as Harry Tangto. Si seulement il avait la double vitesse, il y aurait tellement du génocide là-bas. Bien sûr, tu vises. Allez, tu esquives du 50%. Allez, dis-moi que tu esquives. Une chance sur deux. Eh. Yeah. Bon, qui achève le gros monsieur là? Pas avec ton marteau? Non, t'as 30 tirs de précision, ça serait du gâchis. Et voilà. J'ai déjà fait les scènes, donc voilà. Hein. Ouais, level up de merde. Bon, ça, la vitesse. Je repasse juste assez un tic-là pour Chiki. Et je l'aime bien cette cinématique. Allez, tire. Ce n'est pourtant pas compliqué. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai peur de rater mon tir et de la blesser. Ce n'est pas le moment d'être nerveux, Rolf. Puisque tu n'es pas à la hauteur, laisse faire le maître. Alors regarde bien et prends-en de la graine. Et vous, la voix de Wolf en VF, elle est merdique. Et assurée. Comme ça. Ah, qui voulait voir Soren. Soren, encore plongé dans tes livres? Je t'ai pourtant déjà dit de protéger tes arrières. En position tout le monde! Encerclez-les! Ils ne doivent pas nous échapper!
Vraiment, Lucia, tout ira bien. Tu es hors de danger. Tu m'entends? Tiens bon! Ah, cette voix est horrible! Mes oreilles! Ah, la voix de Miss est tellement horrible! Excusez, mais la voix de Miss est tellement horrible. Ah! Le seul truc de la VF que j'aime pas sur ce jeu, c'est la voix de Mist. Ah. Une terrible guerre commence. Elle menace de diviser. Ouais, j'ai déjà vu le trailer. Bon, j'ai eu mon étude dragon, je suis content, j'ai eu ma compétence annulation. Faut juste que je sache ce qu'elle fasse. Maintenant. Ah non, on va pouvoir avancer dans l'histoire. Il y a 3 ans, Criméa s'est libérée de la tyrannie de Daïn. La noblesse assoiffée de pouvoir en a profité pour discréditer la reine. Aik et ses mercenaires, écœurés par tant de cupidité et d'arrogance, ont quitté la cour et sont retournés à leur ancien métier. C'est pourtant grâce à leurs efforts et à l'impartialité de la reine Elincia qu'une guerre civile sanglante a pu être évitée. Avant que Aik ne quitte à nouveau la capitale, la reine Elincia l'informe d'événements qui le troublent au plus haut point. Il apprend que le chevalier noir, l'homme qui a assassiné son père, a été aperçu à Daïn. Accompagné de ses amis, Aik se dirige vers le bastion des mercenaires en ressassant les propos de la reine. J'ai l'impression que nous avons passé une éternité loin de chez nous. Ça fait du bien d'être à la maison. Oui, nous sommes partis pendant trop longtemps. Les nobles de Crane ne nous ont pas laissé un instant de répit, nous allons enfin pouvoir nous reposer. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'on a besoin de nous. Surtout quand on est un petit groupe de mercenaires pauvres comme nous. Si ils n'avaient pas renoncé à ce type de noblesse, ils n'auront pas besoin de courir après les missions pour survivre. Mist, Je sais, il ne faut pas... Je ne fais que te taquiner, idiot, et puis je préfère aider les gens. Qui aimerait vivre comme ces nobles arrogants? Pas moi! Important est de préserver l'héritage de notre père, les mercenaires de Grey. Aik, fais de la visite. La visite qui est-ce? T'as fait un bail, Aik, je t'ai cherché partout dans Kriya, tu n'es jamais à la maison, on dirait. Ranulf, comment vas-tu, mon vieil ami? Comment vont les autres à Galia? La Negi se porte bien? Ah non, il a vieilli, là. Il a vieilli, hein. Il a vieilli, hein, et ses traits sont plus marqués. Il a vieilli, là, Aik, hein. En 3 ans, il a vieilli, hein. Quand même, hein. Il y a que 3 ans entre les deux opus, Shiki. Tout le monde va bien. Il en faut beaucoup pour nous abattre. Je sais bien que vous êtes résistants. Nous n'aurons jamais gagné la guerre sans l'aide de Galia et surtout sans la tienne. Je retourne le compliment. Où serait Galia sans Aik, sans les mercenaires de Grey? En parlant de vieille amitié, j'ai aperçu la princesse Lynn à la cour royale de Criméa. J'ai cru comprendre qu'elle me cherchait, elle aussi, elle m'a demandé de sauver ses frères. Sais-tu de quoi elle parlait? Ah, elle est donc au courant. Ah, je vais pas tourner autour du pot, j'ai de mauvaises nouvelles, Aik. La guerre frappe de nouveau nos nations. Quoi? L'alliance Lagus, conseiller de Galia, Phoenicis et Kilvas est en route, elle est prête à affronter Bignon. La situation ne fait qu'empirer. Empirer, le mot est faible. Je savais que les Lagus étaient en conflit à Bignon, mais je m'attendais à ce qu'ils trouvent un compromis. Raphaël, l'aîné des enfants Héron, est revenu de Daïn avec des nouvelles inquiétantes. Elle concerne le chapitre le plus sombre de l'histoire des Sérènes. L'ordre d'exterminer les Hérons venait en réalité des sénateurs de Bignon. Apprenant l'identité des responsables du massacre des Sérènes, tous les peuples Lagus se sont alliés en avançant vers Bignon. Voilà pourquoi je suis ici, Aik, nous avons besoin de ton aide. Raphil, prince aîné du clan Héron, revient en compagnie de Nella, reine des loups et du mage Tormod. Il a une triste histoire à raconter. Cette histoire terrible provoque chez les Laguses une rage incontrôlable. Le meurtre du précédent apôtre de Bignon a engendré le massacre du clan Héron et la destruction de leur refuge, la forêt de Soren. Le roi Ashnar, l'ancien tyran de Daïn, était l'instigateur de ces actes perfides. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. La vérité est cependant révélée par le prince Raphil, qui a survécu au massacre. Les vrais coupables ne sont autres que les sénateurs de Bignon.
Le récit de cette histoire met Tibarn, le roi des faucons, hors de lui. Il avertit immédiatement Nezala, roi des corbeaux, et Kenegis, roi des félins. Ensemble, ils décident de former l'Alliance Laguse. Après avoir consulté la famille royale des Hérons, ils envoient des messagers au Sénat de Bénion pour exiger des explications. Bénion rejette cependant leur requête. Elle nie avoir commis tout acte malveillant et refuse de donner suite aux accusations de Raphil. L'Empire, comme s'il cherchait à étouffer cette affaire, va jusqu'à assassiner l'un des émissaires de l'Alliance. En réponse à cet acte cruel et gratuit, l'Alliance déclare la guerre à l'Empire de Bénion. Ranulf, le sous-commandant de Gallia, pense qu'une simple victoire sur Bénion jouerait en faveur des Laguses. Mais il sait pertinemment que face aux mages et aux stratèges de Bénion, les attaques déchaînées des Laguses seront peu efficaces. C'est pourquoi il décide de recourir à la force et à l'expérience des mercenaires de Grell, dirigés par Ike. Ike connaît bien l'apôtre de Bénion. Il hésite donc à s'impliquer dans ce conflit. Mais quand il pense à l'émissaire de l'Alliance que les sénateurs ont tué de sang-froid, Ike comprend la fureur et l'indignation des Laguses. Déterminé à forcer les sénateurs à répondre de leurs crimes, il accepte d'aider l'Alliance Laguse. Ah, j'adore cette voix off. J'adore la voix de cette voix off. En plus, ça m'épargne pas mal de textes à raconter. La guerre n'est plus très loin, c'est une ville fortifiée située à la frontière de Bénion. Nous y pénétrons pendant la nuit, nous attaquerons si vite que les troupes ennemies n'auront pas le temps de gagner leur position. Ah, enfin une chance de réduire mes ennemis en bouillie. Mais pourquoi attendre la tombée de la nuit? Pourquoi éviter une attaque frontale telle des Froussards? Quel sera notre rôle dans tout ça? Nous avons besoin des mercenaires de Grecs pour éliminer les mages de feu et s'emparer des balistes ennemies. La bataille s'annonce rude pour les Laguses, vous devez détruire les armes face auxquelles nous sommes les plus vulnérables. Allez, assez de bavardage, direction le champ de bataille. Je veux voir la peur que j'inspire à mes ennemis dans leurs yeux. Place à l'action. Non, Skrimir, dans ce type de combat, la place d'un général n'est pas au front, tu dois rester en retrait. Ganondorf. Lol, Steven. Plaisante, j'espère. Je veux me battre. Un général de Gaia ne se cache pas derrière ces hommes. Les tactiques de combat n'intéressent que les Béors. Nous avons juste besoin de nos griffes et de nos crocs. La réunion est terminée. Place à la tuerie. Non, attends, Skrimir. Eh, putain. Tout va bien? Oui, Skrimir n'en fait qu'à sa tête. C'est sa première grande bataille. Spawn qui garde toutes ses dents. Et toi, Ike, tu n'es pas réticent? T'es réticent? Pourquoi en aurais-je? Eh bien, tu es un Béor. Je suis un Laguse. Tu es sûr de vouloir combattre à nos côtés? Puis du côté de l'Alliance Laguse, Ranulf, le Sénat ignore vos requêtes et pire, il assassine vos émissaires. Pourquoi ne devrons-nous pas vous aider à obtenir toute l'attention du Sénat? Je sais que mes compagnons comprendront. Et plus est, je n'amènerai jamais un ami dans le besoin. Merci, Ike. Eh, oui, et maintenant je n'ai plus ma. Et Ragnhild, elle est où? Hein? Ah, les voilà, toutes les pièces de forge qui viennent de mon ancienne partie. Je me dis, mais merde, elles sont où toutes mes pièces de forge? J'ai gagné parce que normalement tu transférais les pièces de forge. Bon, Merlin. Ok, mais d'accord. Arc létal, ok. Et quoi niveau info? Ça raconte rien d'intéressant, c'est une étoile. J'ai aucune récompense. La flemme. Je peux faire aucun soutien. Normal, Shiren, je l'ai tué. En fait, il était mort dès le début du jeu, Shiki. Mais t'es fait, il était mort dès le début du jeu. La compte, ta adepte, la critique plus 10, miracle. Bravade. Oui. Initiative, normal. Peu parfait de commerce. Bon bah.
Ouais, il était mort. Normalement, c'est un personnage qui peut pas crever, mais il a réussi à mourir dès le début du jeu. Il a pas esquivé un truc qu'il aurait dû esquiver. Bon, bah, tant pis, tout à l'heure, je comptais pas jouer. Rolf est beaucoup plus puissant que Shinan. Bon, normalement, il est mort. Il est mort dans la première partie, mais là, il est plus mort. C'est marrant comment d'un opus à un autre, un mort, pourtant, il y a un transfert des sauvegardes, mais les morts ressuscitent. C'est de la folie, avoir Superdome pour une garnison frontalière de Galia. En général, nous ne ferons que des rondes ce soir. Nous n'avons pas besoin de plus d'effectifs. Détrompez-vous, ces bêtes assoiffées de sang se tapissent dans les parages. C'est la vérité, croyez-moi. En général, calmez-vous, s'il vous plaît, vous dites ça tous les soirs. Mais nous n'en avons jamais. Alerte, ennemis en vue! Les bêtes de Galia nous attaquent, les sous-humains arrivent! Comment? Vous voyez, je vous l'avais dit, j'avais raison, je l'avais bien dit, qu'allons-nous faire maintenant? Écrasez tout ce qui bouge, cette coulée sur un flot, en avant, en avant, en avant! Ah! Ok, il y a une miniature qui vient de planter. Ah, heureusement que je viens de sauvegarder. L'émulateur a planté, carrément. Il a pas aimé. L'émulateur a planté sur cette cinématique. Lol. Ouh, ben. Faut mieux que ça plante au début d'une bataille qu'à la fin d'une bataille, hein. Ah d'accord, c'est la scène qui me fait planter. D'accord, c'est la scène là qui me fait planter, d'accord. Bon, faut que je la coupe. J'ai obligé de couper la scène. Bon, on est obligé de louper quelques dialogues parce que ça fait planter. Il a planté face au carré d'esquive. Ah ouais, c'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est tellement ça, Zelgius. Bon, faut que je coupe la cinématique. Si je veux pas que ça plante, faut que je coupe la cinématique. Bon, ok. Ok, Ganondorf vs Luigi. Lol, Steven. Bon. Ouais, l'émulateur n'a pas apprécié. Mais j'arrive pas à couper la cinématique. J'arrive pas à couper la cinématique. Fuck. Comment je fais? J'arrive pas à couper la cinématique. Comment je fais, moi? Le jeu veut pas couper la cinématique. Bon, faut que j'aille dans les options graphiques. Je sais pas. Merde, ça veut pas. C'est bon, j'ai réussi à couper le truc. Bon, on a loupé des dialogues, mais j'ai réussi. Là, j'ai réussi à tout couper. Ouais, je peux continuer à jouer, j'ai loupé une cinématique, mais bon. Rien dire, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, oui, il faut que je fasse un truc. Option, enlever toutes les animations qui m'intéressent pas. Tu m'intéresses pas, tu m'intéresses pas, tu m'intéresses, tu m'intéresses, tu m'intéresses, tu m'intéresses pas, tu m'intéresses pas, tu m'intéresses pas, tu m'intéresses pas, Soren. Pour Shiki, je vais le laisser.
Ah, c'est pas censé être une valkyrienne? Oh, puissance illuminateur. Bah ouais, en 3 ans, ses cheveux ont poussé à force d'être en cavale. Bah elle kiffe tous les mâles en même temps, j'ai envie de te dire. Elle kiffe tous les mâles, hein. Oh merde! J'espère qu'il avait esquivé un coup, sinon reset, direct. Merci. LOL, critique. Zeldus qui se fout juste de ma gueule. Ouais, il avait pas des cheveux aussi longs, oui. Ah, j'aime Soren, je sais pas, moi, je vois le mot Soren, ça me fait pas penser à un prénom féminin, quoi. Soren, ça fait masculin. J'ai jamais eu le moindre doute. Ok, à plus, Steven. Ah, je suis content, j'ai enfin les mercenaires de Grey sous mon contrôle, et surtout Ike, mon lord préféré de tout Fire Emblem confondu. Fire Emblem Warrior m'aurait intéressé s'il y avait les personnages de Path of Radiant, c'est de Radiant Dawn. Mais comme il n'y a pas, t'as Awakening, t'as surtout Fate, le plus pourri des Fire Emblem auquel j'ai jamais joué. Non, non, non. Fire Emblem Warrior, c'est mort. Mais t'es pas Ike, c'est mort. J'ai levé depuis 7h du mat, Chiki, moi. Bah si, ça va très bien, pourquoi? J'ai un coup critique à 1% de chance, je suis mort de rire.
Il y a une bonne résistance. 8. 7. Mal. Ça me ferait chier de te faire attaquer à un mage alors que tu dois soigner Mia. Puis il a une bonne résistance. De précision. Minable. L'archi, il a pas de précision, lol. Ah, c'est tout ce qu'ils ont attaqué? Ah oui, ils ont peut-être pas beaucoup de champ de vision. Étonnant, quand même, le mage de feu, il a pas attaqué. Merci de découvrir le mage de feu, je sais que je vais le viser après. Allez, un coup critique, quoi. Ah, j'ai marqué balise létale et j'arrive même pas à faire un coup critique avec, quoi. Sérieux? Ah, pile poil devant un mage de feu, tiens. Je vais aller le massacrer avec Titania. Et le mage de feu, j'aime pas ça. Le mage tout court, en fait, j'aime pas ça. Ça fait mal!
Ah, aucune une pièce, c'était pas prévu, mais... Ah, j'allais dire, les mâcheux ont toujours pas attaqué. Ah mais c'est avec du monde, c'est qu'il y a du monde dans ces forêts. Ah ouais, il y a du peuple. Ah ouais, il y a du peuple. Vous avez quoi de vous faire les griffes et les crocs les gars, surtout sur leur grosse armure. Même pas ils attaquent deux fois les gars en armure. Ah vous manquez de vitesse les gars. J'aimerais bien un coup critique avec les balises létales, hein. Si j'ai 20% de coup critique et depuis tout à l'heure pas un seul coup critique. Ça vaudra pas le coup critique, hein, littéralement. Critique, ça n'existe pas. Bon, Soren, j'ai besoin de toi pour massacrer le monsieur. On va éviter trop avancer, hein. Je sais pas ce qui se cache au détour d'un fourré. Vas-y, Ike, va te faire le gars en armure. Ah ouais, faut le finir le mec là. Parce qu'il a un truc dangereux là. Il a un truc dangereux là. Ah, il faut que je le tue. Et merde. Ah là, je suis dans la merde parce que Calabucide, toi t'es mort. Ah merde, là j'ai mal joué. Ah, ah, ah. Ah, je suis baisé là. Ah là, je suis baisé là. Le mec, il a une Calabucide. Si je le tue pas, je suis mort. Le point de dégâts, t'es sérieux? Bon bah, elle va avoir un mort. Hein. Va y avoir clairement un mort là. À moins qu'il préfère aller se remplir et fuir. Mais là, il y a un mort là. Il m'attaque Titania ou Oscar. Au revoir. Il y a la Bucide one shot. Hein. Non, ça va, il attaque, il bouge pas. Oh, safe. Ah, il bouge pas. Ah, je suis tellement safe, là. Oh. Ouh. Il m'a fait peur, ce con dieu.
Bon bien, tous, où est votre général? Venez vous battre, regarde, je suis... Krimir, général de Galia. Oh non, il se rapproche, nous sommes perdus, pauvres de nous. S'il vous plaît, taisez-vous, mon général, vous allez finir par saper le moral de nos troupes. Attendez, où allez-vous? Je pars me mettre à l'abri, je dois regagner mes guilds, les bêtes, elles veulent me dévorer. Mon général, soyez un homme, enfin. Aurez-vous peur de ces misérables sous-humains? Ça, c'est du général, ça. Pourquoi crois-tu que je fais une voix comme ça, Shiki? C'est pas pour rien, hein. Merci de me découvrir l'allée, les gars. C'est pratique pour moi. Et à l'avance, qui m'attend? Ah, il y a du mâche-feu là! Ah ouais! Va falloir faire le ménage parce que sinon. Ouah, avec un peu de chance, je suis un coup critique, mais ça vaut pas le coup. On va plutôt le faire avancer. Non, toujours pas de coup critique. Non, toujours pas décidé. Allez, j'en suis pour cent de critique. Allez, sûrement un critique, Soren. Yes, critique. T'es bien, Soren. Tu es un bon gars. Allez, toi aussi, sûrement un critique. Ah, c'était pas un critique. Yes. Toi, c'est sûrement un coup critique. Eh merde. Connard. Black Boy, t'y fais pas le taf. Prendre des dégâts ou pas prendre de dégâts? Pas prendre de dégâts, c'est mieux. Je vais me charger du mage. Je suis là pour ça à la base, me charger des mages. Oh, un dommage. Ouh, j'ai peur. Ah, j'ai mal. Ah, bah non, en fait, j'ai pas mal. Ah bah oui. Non, mais toi, t'aurais tué un peu Kamikaze.
L'un d'enjeux, c'est que l'XP que te piquent les unités vertes, elle t'est rendue en fin de map. Contrairement au premier. Ça, c'est pratique. Oh, il y avait un passage ici. Oh, j'avais pas vu le passage. Moi, je fonçais dans le tas, je voyais des ennemis, je dis le passage, il est par là. Oh, j'avais pas vu le passage. Oh, oh. Ah, j'avais même pas vu, moi, derrière les... Hey, je savais pas qu'il y avait un passage. H. Ah la vache, fallait le voir le passage là. Nom de Zeus. Ah juste pas ça. Coup critique ou pas coup critique? Bon, fallait pas rêver qu'il fasse un autre coup critique, hein. Déjà tout à l'heure qu'il en est sorti un 6, peut-être d'exploit, hein. Faut pas trop en demander, non. Hein. Allez, fais-moi un coup critique, t'as 28%. Putain! Tu sais que tu me fais chier, Boyd? Non mais Titania, t'es sérieuse, tu t'es loupé? Vous ouvrez une autre voie, les gars. Engouffrez-vous dans la brèche que je viens de faire. Il la rebouge pas. Ah oui, bah oui. Moi, j'aurais bien me louper deux fois de suite avec 88 de précision, donc... Du 57... je me fie quasiment plus au pourcentage de précision, personnellement. Ça veut tellement rien dire avec moi, ce chiffre. C'est bien, tu attaques le heal. Allez, un coup critique. Toujours pas.
Allez, fais-moi un level up de taré, Ike. Mouais. Ah, le bouton pour changer direct d'unité qui a pas encore joué. Ah, c'est le truc qui manque à Disgaea, ce bouton. Il y a des barques parmi eux. Pourquoi des barques combattent-ils avec ces maudits sous-humains? Parce qu'on n'est pas raciste. Oh, le coup critique! Bon, comment peut-on oser s'allier aux sous-humains et s'opposer à Bignon? La sanction va être très sévère. Votre destin, tout est scellé, je vous en donne ma parole. Le mec qui vient de se faire viol par un coup critique devrait juste fermer sa gueule. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais faites jouer directement le roi et qu'ils prennent le truc et qu'ils finissent la map là au lieu de faire voir jouer toutes les unités qui servent à rien là. Merci. Est-ce fini? Oui, les gars sont tous morts, il reste des troupes. Et le reste des troupes a fui vers l'est. Nous sommes très bien tirés. Quoi déjà? J'ai encore soif de sang moi. Trouve-moi d'autres béorques à me mettre sous la dent. Nous n'avons aucune raison de nous battre avec les civils. Les soldats qui sont rendus sont désarmés. C'est tout ce dont est capable Bignon. La guerre va se terminer trop vite. N'en sois pas si sûr. Nous avons gagné ce combat, mais l'Empire dispose d'une armée massive. N'oublie pas qu'il fut un temps où Bignon régnait sur notre pays. Oui, mais c'est parce que je n'étais pas encore là. Est-ce que tu as écouté ce que je viens de dire? Salgaya, le combat est terminé. Nous avons gagné. Les Agus sont les plus forts. Ce n'est pas fini, ils ont le courage à nous battre, à tuer, à réduire nos ennemis en miettes. Oh là là, quel discours. Je ne juge pas trop vite. J'entends dire que le roi Kengis n'était pas si différent lorsqu'il était jeune. Personnellement, ça ne m'étonne pas. C'est sûr que Skirmir va finir par se calmer, à un moment ou à un autre, du moins, je l'espère. La victoire nous sera à Mugir, nous allons attaquer et vaincre et célébrer notre victoire. Ah, je suis pas sûr qu'il soit sage de nous impliquer dans cette guerre, qu'en penses-tu? Après tout, nous sommes le secret du médaillon de la Han. Tant que Dieu maléfique repose dans le médaillon, la guerre doit être évitée. C'est ce à quoi tu fais référence? Oui, nos ancêtres ont prêté serment, il est notre devoir d'empêcher que de nouvelles atrocités frappent le monde. La guerre génère le chaos. En cas de conflit majeur, le Dieu maléfique quittera le médaillon et détruira le monde. Si cette guerre se répand dans tout Aegus, le Dieu maléfique se réveillera. Nous avons eu la chance pendant la guerre du roi Shnar, mais il s'en est fallu peu. Au moins, vous comptez sur la chance? La guerre jugée à Bignon, le pays le plus vaste de Tylus, et les trois autres nations laguses. Ça représente déjà la moitié du continent et ce n'est que le début. Le monde aurait-il oublié que le dieu maléfique se libéra de ses chaînes en cas de guerre totale? Bonjour tout le monde, désolé de vous déranger. Tania, Soren, vous êtes tous les deux très perspicaces. Étonnant qu'on sait que vous éborez toutes les stratégies des combats des mercenaires de Grey. Mais soyez sans crainte, nous contrôlons la situation. Le médaillon est sous la protection de la famille royale des Sérènes. Quand bien même le dieu maléfique tenterait s'échapper, les hérons l'en empêcheraient grâce aux Galdrar. Rezan, Lin et Raphaël, ce sont eux dont tu parles? Ah, il y a très longtemps, le chef des hérons, Lerhan, a enfermé le dieu maléfique dans le médaillon. Ses descendants ont appris comment l'y maintenir en utilisant la magie Seid. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. La puissance des mercenaires des grèves va nous être extrêmement précieuse. Je compte sur vous tous. Entendu, nous ferons de notre mieux pour que ce conflit prenne fin le plus rapidement possible. N'est-ce pas, Ike? Oui, cela va de soi. J'ai plus de gorge. Ouh!
Bonus de tour. Ouais, survie de soldats de guerre, il y a 4000 expériences des troupes, seulement 260. Ils ont gagné avec tout ce qu'ils ont massacré. Un peu radin quand même. L'Alliance Laguse prend facilement le contrôle de Flaguer et décide de se rendre à Mugil. Les forteresses de Flaguer et de Mugil assurent la défense de toute la région ouest de Bénion. Les armées de Criméa, Galia et Dahin ont à maintes reprises cherché à les conquérir. La forteresse de Mugil est protégée par d'épais remparts et d'innombrables soldats. L'Alliance Laguse sait cependant que sa victoire est indissociable de la conquête de Mugil. Malgré la terreur que leur inspire le médaillon et le dieu maléfique qu'il renferme, Ike et ses compagnons poursuivent leur marche. Bien, notre prochaine cible est Mugil. La ville a fermé ses portes, renforcé ses défenses, instauré une politique de siège. Le combat ne sera pas aussi facile que celui de Flaguer. Ah, les Beorcs sont tous les mêmes, nous allons les écraser comme des mouches. Dimir, s'il te plaît, pour une fois, écoute. Qu'en penses-tu, Soren? Les sirènes de Flaguer ont informé Mugil de notre avancée. Il fallait s'y attendre, non? Même le dernier des imbéciles pouvait le prévoir. Alors, quel est ton plan? Ne te moque pas de moi, Beor. Pourquoi t'embêter avec un plan quand on me cherche ou me trouve? Nous allons attaquer, ils vont contre-attaquer, c'est aussi simple que ça. Rassure-moi, tu as conscience que ce que tu dis est absurde, n'est-ce pas? Si l'ennemi a construit une forteresse, c'est pour s'y abriter, Gronigo. Il ne va pas en sortir son propre chef. Ah! Mais à quel trouillard, ils vont tout de même pas rester cachés! Qu'allons-nous faire? Je sais pas comment on se bat contre des foussards, moi. Dis-moi, tu t'entraînes pour être aussi bête? C'est souvent ce que nous essayons de savoir. Creuse-toi les menaces, Kimir, au moins une fois dans ta vie. Pas question, réfléchir, c'est ton boulot, Ranuf, les conseillers sont là pour ça, non? Réfléchis, dis-moi comment je peux utiliser ma force, le reste est sans intérêt. Je vais m'entraîner dehors, appelle-moi dès que tu auras trouvé un plan. Je déteste ce mec. Non, attends, Skrimir. C'est une plaisanterie, seul un fou, un farceur a pu nommer cet idiot général. Je partage ton opinion, mais sa présence est justifiée. Yann n'a jamais cherché à envahir une autre nation car il n'a ni expérience ni tactique pour mener ce genre de manœuvre de plus. Notre général, bon, vous voyez ce que je veux dire. Skrimir n'est pas du genre à se préoccuper des détails ou à élaborer des stratégies. Heureusement, ce n'est pas uniquement le cas de Skrimir. La plupart des légales sont ainsi arrogants et bornés. Ils ne comprennent pas que la force physique est loin d'être l'arme idéale pour vaincre les Béorcs. Pourquoi ce n'est pas Kanigis qui dirige notre armée? C'est impossible, nous ne sommes pas aussi mobiles que le peuple oiseau. Une fois que nous quittons nos terres, il est difficile pour nous d'y retourner. Le 3 ne peut pas se permettre de s'absenter trop longtemps du royaume. Je comprends, Igifka, il a forcément un général digne de ce nom à Galia. Oui, Igifka pourrait prendre le commandant de l'armée, mais il a des devoirs plus importants à remplir. Il ne reste donc plus que Skrimir. Je comprends, il a dû choisir leur chef en fonction de leur force physique. Skrimir est destiné à devenir roi. Cette guerre va lui permettre de se familiariser avec l'art de la stratégie. Parfaitement, voilà pourquoi nous avons besoin de toute l'aide possible. S'il vous plaît, laissez-nous profiter de votre sagesse. Sans votre soutien, l'issue de ces guerres est certaine. Tu peux compter sur nous, Raulf. Nous te l'avons déjà dit, nous sommes ici pour vous aider. Soren, dis quelque chose. On dirait que votre stratège ne porte pas les Laguses dans son cœur. Excusez, Ranulf, il progresse, mais... Soren, Ranulf nous a aidés. Depuis, c'est notre client. Nous sommes redevables. Tu comprends? Oui. Il devra nous payer en conséquence. Merci à tous, nous apprécions votre soutien. Laissez-moi seul un instant, j'ai trouvé un plan... pour nous sortir de cette situation inextricable. Parfait, nous comptons sur toi, Soren. Je sais, je vais faire de mon mieux. Le plan, c'est surtout moi qui vais le trouver, ouais. Ah, je peux rien faire, y a pas de commerce. Là, on s'en fout. J'ai rien à gérer, étant donné que bah j'ai rien niveau armes, je peux pas acheter. Et j'enchaîne les maps, point barre. Ah, ces gens ne savent pas dans quelle pétrin ils nous ont mis, on peut plus aller nulle part. M'en parle pas, hier on m'a même pas pu aller boire un verre, on s'est ennuyé comme des rats morts. Heureusement, on a encore assez de vivres
Ils vont finir par abandonner si on tient ce temps. Pardon pour le retard. Qui êtes-vous et que faites-vous dehors? La ville est bouclée. Bonne permission pour quitter vos maisons. Comment c'est bizarre, on nous a demandé d'apporter de la nourriture à toutes les sentinelles. Que dites-vous? Nous serions trompés d'adresse, devons-nous repartir? Ça serait dommage de gâcher toute cette nourriture. Non, attendez, ne partez pas. Pas besoin de repartir, cette nourriture nous est destinée, il n'y a aucun doute. Ah, c'est parfait. Pouvez-vous rassembler tout le monde? Dans ce cas, je vais détruire la nourriture et les boissons. On dirait que toutes les centaines d'armes, excellent travail. Nous avons réussi la première étape. Il faut maintenant se débarrasser des derniers gardes et trouver une brèche. Ranulf et ses troupes nous attendent à l'extérieur, ne perdons pas de temps. Hé, hey, qui va là? Les sous-humains, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à nos sentinelles? Serrez les rangs, les renforts ne vont pas tarder, tenez bon jusqu'à leur arrivée. Les soldats nous attaquent, oh non, c'est pas possible, vous êtes un soldat, n'est-ce pas? S'il vous plaît, aidez-nous, nous vous payerons très bien. Oh, Saphir, l'argent, argent, argent. Désolé, désolé. Allez, sors-moi un coup critique, mon petit. Yes, one shot. Allez, fais-moi un bon level. Force, vitesse, défense. Bon, résistance. Oh, résistance, pour toi, c'est pas mal. J'ai eu force, vitesse, c'est déjà bien. Là, je peux passer par ici. Il y a un petit chemin, là. Ouh, lui, il a un arc létal. Ah, faut se le faire. Ou pas. J'aimerais bien qu'il y aurait des connards là-bas. Bon, à mon avis, c'était pas une très bonne idée de faire ça, mais bon. Toi, je savais que t'allais viser Ike. Ah bah oui, la bravade, donc en priorité ils attaqueront Shinan. Ce qui est bien, c'est qu'il a une bonne esquive, il a une bonne défense, et ça c'est cool. Donc c'était pas une si mauvaise idée. Allez, dis-moi que t'esquives. Fais-moi plaisir, ma petite. Merci. Thank you.
Oh là, quand les personnages frappent, il y a drôle de symboles qui s'affichent à l'écran. Il y a un bug là. Vous voyez les écrits d'eau qui apparaissent là? Et quoi de ce Beans? Magie, vitesse. Oui, la force. Bon, vitesse, défense, résistance, ok. Mais la force, franchement, c'était inutile. Si la force est utile pour le poids des tomes, oui, mais... Oui, mais non. Ah, force. Ouais, cool. J'aurais bien aimé un point de défense avec elle, mais bon. Juste attendre, on va bien voir ce qui va se passer. Ah mais les mecs, je vous ai vu hein. Croyez discret là. Encore une chance de faire un coup critique, gamin. Allez, un petit critique, Shinon. Ok. Ah. Esquive, merci. Jolie esquive. Ouais, c'est bien, force, vitesse, résistance. J'attends un truc qui se déclenchera jamais, c'est éther. Et ben voilà, enfin, tu me sors un critique. Salut du temps.
Ah, force, vitesse, cool. Ça manque la compétence ITER quand même de Ike. Oh, pas assez de dégâts. Ouais, on peut pas tout avoir, c'est sûr. Ah, elle fait que 4 de dégâts. Ouais, non, on va éviter de faire cette connerie, hein. On va prier pour un coup critique. Elle, pour elle, la force, ça serait utile. Ouais, la vitesse surtout. Oui, point de défense, vitesse, oui, c'est très bien. C'est très bien, ce niveau me satisfait amplement. La magie qui sert à rien pour lui, mais bon. Ah, je suis content de récupérer mes mercenaires de Grey. Bon, c'est dommage, il n'y a pas toute ma team. Ah, Shinon, ouais. Ah, mais il crèvera pas ce coup-ci, t'inquiète. La dernière fois, il était pas censé mourir, je m'y attendais pas en fait. Il est pas censé mourir à la base. C'est la première fois de ma vie qu'il arrivait à crever ce mec. Bon, ça, je m'y attendais. C'est quoi le but de cette map déjà? Tuer le général, c'est quoi? Vaincre le boss, décider tout le monde. Ah 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 ah, ça c'est mauvais ça. Non, c'est bon, il a esquivé. J'ai rien dit. Oula! Alors, c'est 10 ennemis en 12 tours? Oula! Vous m'en demandez beaucoup là, je crois, les gars. Plus le mec, il a une lance létale, quoi. Qu'est-ce que tu dirais, j'ai reculé un petit coup, quoi. Ah, sous-humain, sous-humain! Ne faites ça, je vous supplie, prenez ce que vous voulez, mais par pitié, ne me dévorez pas! Mais je suis pas un aguse! On me croirait peut-être pas, mais les aguses ne mangent pas les gens, j'espère que vous avez bien reçu le message. Pardon, j'avais si peur, je voulais pas. Je voulais enfoncer personne. Ah, ne vous faites pas, c'est ce qui compte, c'est que vous ont tiré les choses au clair, d'accord? Je suis si froussard, oh, j'ai trop honte! Attendez. Que se passe-t-il? Pourquoi fixez-vous? J'ai quelque chose sur la figure? Vous me faites penser à quelqu'un que j'ai connu, non? C'est juste mon imagination, je suis remis d'y aller, adieu. Eh, attendez! Oui? Tenez, c'est pour vous. Un cadeau pour moi, mais pourquoi? Il n'y a pas de raison spéciale, j'ai juste envie de vous offrir quelque chose. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter. Ah, attendez, oh!
Mais c'est quoi ce con? La récompense! On nous attaque! Bon sang, ils sont trop rapides! Où sont les renforts? Mais il l'a refusé surtout! C'est ça qui m'énerve! Il a refusé le cadeau! Ça aurait pu être un truc intéressant en plus! Ah, c'est les RPG hein! Ah, dégoûté, à une case près, quoi. Mais non! Elle va crever, cette conne! Argusumel, oh, quelle bande d'imbéciles, ils sont tombés dans le piège. Je suis un soldat maudit, alors prépare-toi à mourir. Là, c'est toi qui vas mourir, ma vieille. Oh oui, t'es morte. Ah oui, là, t'es morte, là. Bon, je m'en fous, je joue pas avec les laguses. Mais t'es morte. Me voilà vaincu, je dois me replier vous autres, tâchez de rester en vie. En même temps, elle est conne la meuf. Bon, les lagus commencent à me péter les couilles, à se faire massacrer comme des merdes. Hein. Je te rassure, unité à l'arrière, je t'ai vu. Ah, je peux pas attaquer. Bon, toi, tu vas aller là-bas pour s'occuper du mec là-bas. Thank you.
Ou une calabucide. Ouh, c'est dangereux ça. Ou une calabucide. Ah, je ne bouge pas de là avec elle. Ah, je ne bouge pas de là. Calabucide, je ne bouge pas mon cul de là. Pas moyen. Il y a combien de dégâts juste pour voir? Oui, il me one-shot quasiment. Il me one-shot quasiment, mais il a que 20% de précision. On va tester. Va-t-il me toucher avec 20% de précision? Non, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est safe. À moi toujours, Chiki. Oh le bâtard, il a éteint la lampe. T'as enculé. Là, il m'emmerde, là, en fait, là. Chic, tu m'emmerdes, mec. Et bien sûr, pas de critique. Alors là, je suis un peu dans une position de merde, là. Je ne peux rien faire. Ah, si, je peux faire ça. Merci pour le coup critique. Non, ils ont percé nos défenses. Ouais, un point de vitesse aurait été utile quand même pour toi, mais bon. Faire avec, hein. Ça c'est mauvais, sans avoir un soin à l'arrière pour le soigner, je vais pas tenter le diable, hein. Soignera pas, toi. Bon, toi tu vas crever, hein. Ah là, au revoir. Non, je peux pas y croire, je dois me replier. Vous pensez pouvoir vous en sortir sans moi? Oui. Vous avez servi strictement à rien. Je vais vous décevoir, les laguses. Ouais, level up de merde. Ah non, ça va. Ça va. En fin de compte, c'est pas si merdique que ça, malgré le point de magie. Ça sert à rien.
Vitesse, défense, résistance, ouais, ça passe. Bon, il va encore crever comme une merde. Ah ouais, bon, il va encore crever comme une merde. Ou pas. Étonnant. Level up de merde. C'est bien elle qui laisse le point de vie à chaque fois, qui m'est très utile. Ouais, ouais, t'as vu, Jiggy, ouais. T'es niveau 6, t'es niveau 2. Il reste encore des gens à tuer? Ah bah oui, lui. Attends, on va quand même vérifier qu'il reste pas des gens là-bas. Hein, qui se planquerait là, comme une tapette, là. J'aurais pas choisi lui à attaquer, mais c'est pas grave. Encore un mec vivant? Oh, je vais rallumer ça parce que je vois plus rien. Attends, attends, connard. Te barre pas. Non, il n'y a plus rien ici. Qui vas-tu attaquer? Titania ou Ike? Fais ton choix. Choisis ta mort. Ah, il n'a pas voulu mourir. Ok. Il a voulu éteindre la lumière. Non, sérieux, Titania? Oh, ok! Colonne de tiste, on se pousse les uns derrière les autres. La voie est libre, Xantra, il est temps d'ouvrir la porte. La porte s'ouvre. Ah, enfin, soldat de Gaïa, suivez-moi! Avec moi, la victoire est assurée. Désembrouillez tous ceux qui se mettront en travers de votre chemin. Ouf, tu me battras toujours, Ike. Grâce aux mercenaires de Grey, nous avons gagné la bataille de la nuit dernière. Vous avez été fantastique. Tu devrais surtout remercier Seren, c'était son idée. Oui, tu as raison, en fait. Tu as de la vie, ce sont de vieux amis à toi, il paraît.
Hein? Bonjour, eh bien ça fait un bail, pas vrai, Ike? Oh, Mston, tu veux du jus pour m'acheter des armes? Cajote, voire traiter à nouveau avec les mercenaires de gré, en plus particulièrement avec toi, vieux renard. Ah, c'est toi qui les a fait venir? C'est vrai qu'ils avaient entendu parler de la bataille et flairé une occasion d'en tirer profit. Eh bien, contrairement aux lagus, les barques ne peuvent pas combattre sans logistique. Et donc demander à Mston de nous aider d'emmener tous ses amis avec lui. Ranulf, attends-toi à voir nos rangs grossir en un rien de temps. Merci pour tout, Ike. Tu as déjà tellement fait pour nous. C'est tout à fait normal, lorsque nous avons combattu d'un galion est venu au secours du Crimea sans hésiter. Nous vous rendons l'appareil, c'est tout. D'accord, en tout cas, je veux que tu saches, j'apprécie ton geste et ton aide, merci. Parlant des autres troupes 12. Bien dire qu'elles ont servi à rien, quoi. La tactique de l'armée de Galia est efficace. Et à l'instar de Flaguer, Mugil cède face à l'alliance du fer et des griffes. Les Lagus pourfendent les dernières défenses frontalières et pénètrent dans Telgam sans que Bénion n'ait le temps de réagir. Telgam, privé de toutes ses défenses, ne résiste pas à l'alliance Laguse. Cette dernière, forte de ses succès, profite de l'occasion pour avancer jusqu'au cœur de l'Empire de Bénion. Cette avancée fulgurante horrifie le duc de Gados et le duc de Celiora. Ils s'associent avec les nobles des régions nord pour unir leurs armées sur le territoire de Celiora et contrecarrer l'attaque de Galia. Utilisant la rivière Riban, affluent de l'imposant fleuve Miskal comme front défensif, les troupes de Bénion établissent leur camp le long de la rive ouest des plaines de Sestol. Nuages sombres, Dark Cloud. Ah, fallait que je le place celle-là. La guerre Mugil et Telgam sont désormais à nous. Cependant, la guerre n'est qu'à ses prémices. L'ennemi est retranché à la sienne, la capitale. Le vrai combat commence maintenant. Ah, finir, Gaël, mes griffes réclament de la chair fraîche de Béorc. Ranulf, y a-t-il un ennemi qui fond au point de la capitale? Il y en a, à l'appel. Mais avant d'aller là-bas, nous devons combattre les nobles du Nord, leur armée est massive. Je suppose que l'armée principale de Bignon est déjà à nos trousses, et là le plus gros souci. C'est-à-dire que si nous n'avons pas un rythme soutenu, l'ennemi finira par nous rattraper. Je n'aime pas du tout ça. Soren, as-tu une idée de la façon dont nous pourrons déployer les troupes? Est-il de vous creuser les ménages, nous n'allons pas le croire, mais cette fois, nous avons un plan. Tu vois, une armée de cette taille nécessite un ravitaillement considérable. Le peuple aveugle va donc attaquer le convoi de ravitaillement de l'armée principale afin de freiner son avancée. Le plan semble parfait. L'Empire redoute le peuple oiseau et les surnomme les pirates sans navire. Ces derniers se sont spécialisés depuis des années dans les attaques surprises en haute mer. Les navires marchands de Bénion sont leur cible de prédilection. Après avoir attaqué le convoi de ravitaillement, le peuple oiseau se dirigera vers le nord. Nous allons le rejoindre aussitôt que nous aurons fini avec les nobles. L'arrivée de l'armée principale, nous attaquerons ensemble. Est-ce que mon résumé est exact? Ouais, parce que en général, les Lagus, ils sont pas très très au point niveau stratégie. J'admets que je suis agréablement surpris, ce n'est pas mal du tout pour une stratégie Lagus. Il paraît même que l'on gagne si tout fonctionne comme prévu. Non, mais les Lagus, tu vois, ils comptent que sur la force physique, ils tapent dans le tas et puis voilà. Ibam, sommes plus très loin de Bignon, tu veux pas accorder une pause à tes hommes? Oui, bonne idée, nous allons atterrir sur une île et nous reposer. Tu me surprendras toujours, on est à Naesala. Je m'attendais pas à te voir rejoindre l'Alliance Laguse. Si seulement tu pouvais toujours être aussi loyal. Ibam, arrête tout de suite, je ne veux pas être ton ami. Le peuple Faucon et le peuple Corbeau cohabitaient avant à Fouinsis, nos peuples sont presque frères. Si tu me confiais quelques-uns de tes secrets, je pourrais peut-être t'aider. Je ne vois pas de quoi tu parles, Tibane. Quel secret pourrais-je avoir? Par exemple, je serais curieux de savoir comment tu as été propulsé aux premières loges de la succession au trône de Kilvas. Oh, ce secret, d'accord, je te dirai tout si on survit à cette guerre, ça te va? Entendu, cette guerre s'annonce rude, mais elle permettra à nos peuples de se rapprocher. Tu me fais vraiment confiance. Attention, tu pourrais le regretter. Je cherche à protéger Zen, Lynn, Raphaël et leur père, le roi Lauraziel, non?
Toi qui seras à nos côtés, tu ne trahiras pas. Assez bavardé, en route. Alors, mon général, comment ça s'est passé? Un sérieux, personne n'a voulu m'écouter, c'est déprimant. Les nobles sont trop cédés par le pouvoir et les richesses qui vont avec pour s'apercevoir du danger. Ils ne voient pas la menace qui pèse sur notre pays. Ces gens me répignent, les citoyens sont à leur porte et eux, ils ne pensent qu'à s'enrichir. Ils n'écoutent que l'aristocratie éminente, les gens de classe inférieure ne les intéressent pas. Qu'à nous faire, mon général? Bon, toi, à Ulta, il te faudrait que je t'achète de nouveaux trucs parce que là, toi, t'as plus rien, toi, c'est bon. Toi, faudrait que je t'achète un Merlin. Toi, t'as du truc, toi, c'est bon. Toi, il faudrait que je t'achète un Merlin. Toi, faudrait que je t'achète des arcs. Toi, faut que je joue en plus Saphir. Oh, Liana! C'est fini! Oui! Oh, oui! Liana, c'est fini! Oh! Une nouvelle art, c'est un maître dragon, il est cheaté, hein, il est un peu cheaté. Ma voleuse, yes! Les bonus des ennemis sont bloqués. Oh, ça va être pratique ça. 500 je garde, on sait pas qui je vais la mettre. Ah, une dracocide. Ah oui, mais j'ai pas grand chose. Aussi ça va m'être utile à un moment ou à un autre. Et quoi en arc? Ah mais... Message Shinon, écrit l'arc cassier. Voilà, pour toi le Merlin de fer. Pas vraiment, ça va être utile. Hop. Une épée vent pour Ike, j'ai envie de te dire Osef. On va quand même lui mettre des armes un peu puissantes, hein. On va lui mettre une épée acier à Ike pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Ah oui, il y a elle qui avait besoin d'armes, elle. Ah bah non, elle a une hache courte. Voilà. Thank you.
Ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout pas. Oh, mon rêve se réalise enfin, mon héros est là. Je suis en bas. Non, pince-moi, c'est trop beau pour être vrai. Dis, si tu me lâches pas ma main, je vais pas pouvoir payer ce que je te dois. Et toi, mon ange, ne gâchons pas ce précieux moment ensemble avec ces vulgaires propos mercantiles. Mon cœur, dis-moi des mots doux. Bon, écoute, tu es une vendeuse et je suis un client. Je vois pas pourquoi je te dirais des mots doux. Oh, que mon héros est froid, tu joues les hommes distants, n'est-ce pas? T'es trompu, rable. Mais vas-tu lâcher ma main, tout de suite? Pour ça, tu dois me dire que je suis belle. Dis-moi que je suis bien plus belle que toutes les femmes de ce camp. Et après, tu me promets de lâcher ma main? Bien sûr, je te donnerai même tout ce que tu voudras. Cela ne te coûtera rien. Bon, dans ce cas... Non, Ike, ne dis pas un mot de plus. Je connais cette voix, c'est... Allez, c'est rien, elle donnera tout ce que nous voudrons, ça ne coûtera rien. C'est Ike, rien n'est gratuit dans la vie. Tu crois qu'il se passera quoi si tu sais ce qu'elle veut entendre? Elle le racontera dans tout le camp. Puis les villageois là seront au courant et au final la rumeur se reprendra dans tout le pays. Ike s'illustrait pendant la guerre contre le Rachnar et aussi avec Aimé, simple marchand. Une simple rumeur peut très vite prendre des proportions démesurées. Oh arrête, tu exagères. À ta place, j'en serais pas si sûr. Grâce à la guide des marchands, je peux très bien répandre une rumeur dans toute la puce. Ça ne sera pas long avant que tout le monde soit au courant, ensuite Ike, tu seras à moi, tu n'auras plus le choix. Et bientôt au moins, tu vas pas par 4 tu as gagné, Seren, je te la laisse. D'accord, je m'apprête à faire une serre au bien de toute l'armée. Non, Ike, ne pars pas. Ne pars pas, ne fais pas ça. Bon, maintenant qu'il est parti, pouvons-nous parler à faire? J'ai encore plus radieuse qu'avant, Aimé. Un vrai délice pour les yeux. Oh, toi, tu sais parler aux femmes. Allez, je t'écoute. C'est bien qu'avec moi, tes marchandises ne seront pas gratuites. Alors, que dirais-tu d'une hérisson de 75%? Je ne sais pas. Aimé, tu es un géo qui fait pâlir d'envie tous les autres dehors. Je serai si bon client que tu rentreras largement dans tes frais. J'essaie de dire mes prix de moitié. C'est ma dernière offre. Bon, c'est juste un peu moins que 75%. Et que qu'en dis-tu, Rosetellus, déesse du désir? C'est bon, tu as gagné, mais attention, c'est absolument aujourd'hui. Tiens, c'est pour toi. Ah, une carte argent, elle donne une réduction de 50% dans tous les commerces, c'est bien ça? Tout à fait, mais rappelle-toi, c'est une offre à durée limitée. Dès demain, tu paieras le prix fort. Aimé. Oui, Aimé, ne perds rien de ta beauté. Ah, merde! Ah, je me suis fait biter! J'aurais pu avoir le Dracocyte pour quasiment rien! Oh merde! Ah, au pire, je peux faire reset, hein! Je peux faire reset et refaire le truc et avoir la Dracocyte pour presque rien! C'est ce que je vais faire, vu que j'ai sauvegardé juste avant. Bon, faire les trucs de soutien avant d'acheter quoi que ce soit. Ok. Voilà. Ah, c'est tout ce que je vends qui ré... c'est tout ce que j'achète qui est réduit de moitié. Ah oui, je vais faire des économies de dingue là. Ah oui, c'est pas juste un objet, c'est tout. Aujourd'hui, tout est réduit de moitié. Ah ouais, les économies de dingue.
Il aura besoin d'une autre lance. Soit d'un javelot. Ah ouais, avec ça c'est bon, je suis tranquille là. Ah ouais, j'ai fait des putains d'économies là. Ah ouais, ça valait trop le coup là. Là, les économies que j'ai fait de taré. Aïe, tu es prêt? Oui, j'attends ton signal. Ne laissons pas ces troupes qui sont sur ta gauche, ça ira. C'est parfait, c'est énorme, besoin que je remette les idées en place. Allez, en avant. Bon, il y a toute l'équipe. Piste. J'ai fait le tour, il n'y a rien d'être très intéressant à voler. Bon, je fais une sauvegarde là pour couper la vidéo YouTube, donc je relance tout de suite après. Donc sur ce, j'en serai regardé. Pour ceux d'YouTube, on se dit dans quelques instants. Et pour ceux sur YouTube, bah, rendez-vous lors d'un prochaine vidéo. Sur ce, salut, salut.